Voici l'histoire de la maison C'est moi et de ses chocolats d'exception, la grande héritière du savoir-faire chocolatier à la française depuis plus de 200 ans. Tout commence en 1814, au pied des Pyrénées, lorsque fut fondée la première chocolaterie qui deviendra plus tard la maison C'est moi. Pourquoi là, me direz-vous? Pour avoir le meilleur choix. Déjà animés par la volonté de proposer un chocolat de qualité, les fondateurs souhaitent être au plus près des matières premières qui, à cette époque, transitent par l'Espagne. Le savoir-faire chocolatier à la française venait d'acquérir ses premières lettres de noblesse. C'est en 1962 que la maison C'est moi prend sa nouvelle dimension, où le plaisir de la dégustation est plus que jamais le maître mot. Nous sommes à Perpignan avec Georges Poirier, entrepreneur passionné. En digne héritier de la tradition, il perpétue avec talent la philosophie de la maison C'est moi. Mais Monsieur Poirier a aussi une autre passion, la magie du terroir. Georges, puis son fils Jean-Claude, aiment déceler chaque arôme, reconnaître ses origines. Suivant ce qui n'est encore qu'une intuition, il fait ramener du monde entier différentes sortes de fèves de cacao. À la chocolaterie, les expériences et les dégustations avec les maîtres chocolatiers se multiplient et après de nombreuses heures à œuvrer dans la fabrique, l'intuition se transforme en amour du métier. Pour faire du bon chocolat, il faut du bon cacao. Cette tradition d'exigence se perpétue au fil du temps avec l'acquisition de multiples chocolateries locales au savoir-faire historique qui viennent enrichir la réputation du premier chocolatier français. Ce tournant de l'histoire est au fondement des valeurs de la maison C'est moi, qui est aujourd'hui l'unique chocolatier français à sélectionner ses fèves de cacao pour leurs qualités aromatiques selon leurs origines, tout en préservant les hommes et l'environnement. Pour cela, les experts C'est moi n'hésitent pas à se rendre sur les lieux de production des fèves, Équateur, Côte d'Ivoire, et à s'impliquer aux côtés des producteurs locaux pour que les bénéfices de cette passion profitent à tous. La maison C'est moi est également le dernier spécialiste français du chocolat à maîtriser l'intégralité des moments de transformation. Concassage et broyage des fèves de cacao, affinage de la masse de chocolat, puis conchage, tempérage et moulage du chocolat. De la noblesse de l'ingrédient jusqu'à la créativité et l'authenticité des recettes chocolatières les plus raffinées, les chocolatiers C'est moi sont restés des aventuriers créateurs de goût et les gardiens d'un savoir-faire traditionnel français. Aujourd'hui, ces 200 ans d'histoire s'ouvrent à vous lorsque vous dégustez un chocolat de la maison C'est moi. Une histoire faite d'aventures, d'exigences, de passions et de savoureuses anecdotes pour le plus grand plaisir des vrais amateurs du bon chocolat français. Maison C'est moi, héritière d'une tradition chocolatière depuis 1814.